Salut! Suite au Raven Contest de 50 minutes que personne n'a vu, et j'ai pas allé la voir, elle est trop bien, j'ai perdu contre Azwak et je devais faire 100 vagues en défense sur Ben'Lunis, et pour tout vous dire, j'ai perdu. Et comme une merde en plus! Je suis tombé à terre et vu qu'Azwak était dans mon escouade pour AFK et prendre les drops, ma sentinelle ne m'a pas réanimé et du coup le Cryopod a succombé, parce que j'ai pas pu le protéger à temps. Et de là découlent deux conséquences. Premièrement, pour le prochain Raven Contest, s'il sort pas 9 ans après, j'aurai un malus. Et deuxièmement, je ne compte pas te faire un best-of de cette défense, ni de vous upload les 3 heures de la défense car ma cage ne supporterait pas, et que je surtout pas un peu de la merde. Non, je vais aller plus loin. Je vais faire un truc plus ambitieux, entre guillemets, je sais pas si ça va marcher, et bon, ça risque d'être de la grosse merde, mais à travers cette vidéo, je voudrais m'analyser, m'analyser, voilà. À travers cette vidéo, je voudrais m'analyser, voir si je n'avais pas, et retenter de faire une 100 vagues à partir de mes conclusions. Mais pour ce cas de figure, c'est un peu plus complexe, car j'ai un build qui est imposé par Azorak. Du coup, c'est parti. Ce que je voulais faire à la base, c'était un build concentré sur de la puissance pour avoir un maximum de points de vie sur ma bulle et 100% de réduction d'armure sur mon ultime. J'avais mis adaptation pour tanker un peu, et j'avais mis de la portée pour avoir de l'espace pour moi et mes spectres. Mon plan de jeu était de faire ce que je voulais entre les vagues 1 et 60 et de rester dans ma bulle quand j'avais plus la capacité à prendre des coups sans me faire one shot. Je voulais spammer ma bulle pour profiter de ces 4 secondes d'immortalité et utiliser mon ulti pour réduire l'armure des ennemis et les tuer avec mes armes ou les lasers. J'ai utilisé des spectres pour m'assister lors des missions et un spectre de Trinity avec un Enclapse Mort pour me donner de la mana, faire des dégâts et contrôler des ennemis. J'ai joué ma zénith en dégâts avec du viral plus feu car je voulais tester le changement d'élément feu et j'ai gardé mes autres armes dans des builds plutôt classiques. Bon maintenant, qu'est-ce que je peux en dire vis-à-vis de ça? Sur mon build sur Frost, adaptation était totalement inutile car ce build ne possède pas beaucoup de vie et de bouclier pour rendre efficace adaptation et l'armure de Frost était suffisante pour éviter de me faire one shot. Surtout que mettre des mods pour assurer les 40 premières vagues n'était pas intéressant car la protection offerte par la bulle de Frost est largement suffisante pour perdre une place dans mon build. Ensuite, j'ai joué avec 12% de durée de pouvoir, ce qui est peu pour profiter de la réduction d'armure de mon ultime. Au moment où j'étais en mesure de bouger, l'ennemi était presque décongelé et de ce fait je n'avais pas de temps pour les taper. Le seul avantage que j'avais à la limite avec ce build, c'était ma capacité à spammer mon ulti et contrôler les ennemis et ma bulle pour la protection. Et du coup, qu'est-ce que je peux améliorer? Après un moment de réflexion et de formatage, je pense garder l'idée de base de mon premier build, capacité à spammer ma bulle et mon ultime, sauf qu'au lieu de viser la puissance et l'économie à tout prix, j'essaie d'avoir un équilibre entre durée, efficacité, portée, et puissance. J'ai vraiment cherché à avoir les 250% de puissance pour avoir les 100% de réduction sur l'armure sur mon ultime. En avoir plus, c'est inutile car peu importe la vie de la bulle, elle va partir très vite après la vague 60 et le mieux ça reste de la remettre avant qu'elle succombe et profiter des 4 secondes d'immortalité. J'avais fait un build alternatif avec moins de réduction d'armure, notamment en remplaçant un secret de l'augure par vitalité ombra, ce qui donnait plus de stats pour la survivabilité de Frost ainsi que de la vie en plus pour la bulle de Frost, mais je n'avais que 95% réduction d'armure. En principe, 95% est largement suffisant, mais vu qu'à partir de la vague 70, les ennemis voient leurs stats augmenter et leur armure aussi, et j'avais peur de manquer de dégâts à la fois sur mes armes et aussi sur le laser, car si l'ennemi a trop d'armure, il ne pourra pas être tué par les lasers en un coup, et encore moins par mes armes. Du coup, j'ai abandonné cette idée. Sur ma zénith, je vais plutôt la jouer support cette fois-ci en l'orientant sur du corrosif, car j'ai vu qu'elle perd en dégâts à un moment donné. Et donc je pense jouer avec mon Arthos Prime en dégâts en mettant un maximum de statut sur les ennemis, car je compte jouer autour de ce Sujarjota et de blessures sortantes. Pour cela, je compte utiliser le Vortex du générique, les rassembler en un même point, les geler avec mon ulti et leur taper dessus. Et vu qu'ils seront nombreux et compactés, je pourrai stacker mon combo rapidement. Mais je ferai ça uniquement quand je manquerai de dégâts avec ma zénith. Je laisse de côté mon cashpoint car il manque trop de tout pour faire quoi que ce soit. Concernant ma sentinelle, je reprends Jean pour profiter du mode renaissance afin qu'elle me réanime si je tombe à terre. Je garde sur son arme les modes vigiles pour améliorer les dégâts de mon arme principale comme dans mon premier run. Et je modifie légèrement Jean pour incorporer régénération accrue et fibre sainte. Si je ne fais pas l'idiot, je pourrais en fin de partie, c'est-à-dire entre les vagues 80 et 100, profiter de 4 réanimations sûres et si je dois tomber à terre et fibre sainte sera là pour me faire récupérer des munitions quand je devrais switch d'armes en plein combat. J'ai aussi modifié l'ordre des priorités des modes pour éviter tout bug de la sentinelle. Voilà, j'ai assez parlé, il est temps de mettre en pratique ce nouveau build, ainsi que ne pas refaire mes heures passées. Donc c'est parti. Nous y voilà. Pour le deuxième essai, j'ai aucune idée de comment ça va se passer. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Trinity derrière, puisqu'elle a la carapace mort. Et voilà. Et moi je le mets en haut. Comme ça j'aurai une bonne vue. Au début, je vais juste jouer avec mon ulti plus le tir principal de mon arme, parce que j'en ai pas besoin. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir plus de dégâts que ça. Il faut vraiment que je spam le shield en regardant les cryopodes et pas sur les côtés, car sinon les bords risquent d'être... Enfin, je sais pas si je vais l'expliquer, mais ils risquent d'être décalés. Du coup, j'aurais du mal à appuyer. Après, mon premier ennemi pour le moment, c'est les bombardiers en endgame.
ils ont beaucoup de dégâts si jamais je vais activer. Faut que j'arrive à activer sans qu'il y ait de bombardé qui me gêne. Enfin, qui tire au moment où j'active quoi. Voilà. Je mets les specs directement au début, c'est pour éviter de me faire surcharger comme un débile et pouvoir clear assez rapidement. Vu que j'ai beaucoup de spectres en rab et de platine perdue, parce que j'ai voulu faire ça vite, bah je vais me contenter de l'utiliser quoi. Donc là ce que je vais faire, je vais essayer de stacker un maximum le shield dès le début de game pour atteindre les 1 million de vie. Après j'ai un risque, c'est que s'il y a un bouclier jaune qui arrive, bah, je peux déjà réduire mon shield. Ah voilà, apparition des premiers boucliers jaunes. Allez. Prends-le. Non. Mais non, qu'est-ce que je suis. Tu reprends tout ça, ça t'apprendra. Si j'avais une autre arme autre que le catch moon pour détruire le bouclier, j'aurais pas eu ce reset. Ça va, je fais le plan de... Arrête de bouger. Arrête, stop. Ouh, reste en position. Stop, arrête de bouger. Je profite pour spammer un petit peu, vu qu'il y a pas d'ennemis. Je remets la shield comme ça. Il y a assez grand pour protéger tout le monde. C'est bon, varié. Ah, j'aurais peut-être dû prendre munitions, ressources de vigile. Bon, tant pis. 38 minutes. C'est même pas une vague. C'est même pas une. Toutes les 5 minutes, une vague. Toutes les 5 minutes, 5 waves. Je perds trop de temps. Faut que je fasse attention à mes munitions. Je manque trop de balles. Ça va être un problème. Non! Non! Mais putain, Trinity! Je t'ai dit de plus. Bon. Bouge plus, j'ai dit. Non, tu meurs. Quoi? Ok. Tu bouges plus. Tu meurs. Mais wesh, les mobs, ils dropent pas beaucoup de munitions. C'est quoi ça? Moi, j'ai galéré en fait, j'aurais dû prendre ressources de vigile. Je sais pas qui a tapé, mais merci à lui. Oh bah oui. Venez. Bah alors. Tu bouges plus. Bah t'es mort. Tu bouges plus, j'ai dit. T'es mort. Bon, j'aurais pu mourir. Ok, il commence à avoir le level 100. C'est cool. Je suis bientôt level 50. Donc j'ai presque fait la moitié. Mais reste là, toi. Tu sais quoi, je vais te réinvoquer. Parce que tu me fais chier. Hop. Keep fighting. Oh, j'ai plus de munitions. Ah, mais non. Oh, la tuile. Vite. Bah attends, pourquoi je prends des 60e vague? J'avais perdu la 61e ou la 62e. Après, sinon je ferme grave bien les clés. Ok, normalement c'est à partir de là que ça commence à se corser. Les mobs sont combien là maintenant? 59. Je vais pas perdre du temps. On va faire comme ça. On va te mettre là. On va jouer un petit jeu. Ça peut vous aller mourir. Non. Tchon tchon tchon.
What the fuck? Je m'attendais pas. De toute façon, je commence un peu à stresser là. Je crois que je vais reprendre Trinity. Trinity, je te choisis. Non, ça c'est Reno, ça. On y va. ...67, je suis content. 2h11 par contre, ouais. Un peu de coups de lockdown. Tiens, j'ai oublié mon système, c'est bien ça, c'est ce qu'il me fallait. Bon, Flores. Qui m'a tué, what the fuck? C'est débile, hein, lockdown. Ah, mais c'est ça, moi, ça! Oh là là, mais je ralentis grave. Je passe là 7 minutes pour une. Pour 5 fois la vague. Bon, on va essayer d'aller vite. Minutes pour cette wave. Très bien. Ah, tu la sens la lenteur. Ok, Jean, reste-moi. Ok, 89 secondes. Ok, faut que je tienne 89 secondes sur mourir. Will appear soon. 81. Les mobs sont level 354. Ok. D'armure. C'est le mob que je peux tuer à l'heure actuelle, ce sont les corpus. On va en profiter pour les tuer. Et quand ils seront à range, je les tuerai. Attends, j'ai autre chose. Putain, j'ai regardé autre chose. Je suis mort comment? What the fuck? 20 minutes pour... Enfin, moins 20 minutes pour 5 waves, franchement. Oh, je prévois le pire. Là, ma plus grosse crainte pour le moment, c'est que j'ai peur que... Il y a les mes joueurs qui me disent hey, t'as envie de redémarrer, mec? Mon dieu. Le shield. Je vais être obligé d'attendre. Je suis là. Non! Oh merde! Oh non! Oh non! Putain! Lockdown l'a tué. Pfff, on va faire de sportif là. Non, je permets pas le temps. Je tente que le moment arrive. Oh non, 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 non! 91%! Tu meurs, c'est bon.
toi tu meurs. Quoi? J'hallucine! Non! Bon, tu sais quoi, j'ai une autre idée. Attends. Oh non! Et merde. Cette bombe de merde, je suis obligé de raise encore une fois. C'est parti. Bon là j'attaque plus du tout. Hein. J'ai abandonné de taper avec mes armes. Ça va être que le lockdown et les... Je comprends pas. Oh oh. Putain de merde. Pourquoi j'ai rechargé alors que j'avais toutes mes balles? On cessait. On laser, on remet le shield, on lockdown, on remet le shield, Trinity. Non, je suis sorti, j'aurais pas dû. Trinity revient. On recesse, on remet le shield. Il faut que je réussisse, sinon je crois que j'ai tout recommencé. Oh. Ok, il reste 10 vagues. 10 vagues, c'est tout ce qui reste. Il reste 10 vagues. Ok. Il reste 10 vagues. Il reste 10 vagues. Il reste 10 vagues. Il reste 10 putains de vagues. Allez, sur synchro. Plus de shield. Y'a plus de shield. Ah, ce qui me carie, c'est lui là. Il a une réduction de dégâts de 90% et plus avec mon armure. Et bah, je. Non! Oh. Putain, je galère pour une wave. 3h03. C'est ultra dur. Ce qui est dur, c'est que je peux plus utiliser mes armes pour tuer. Je suis obligé d'avoir recours à lockdown et au laser. D'autant plus que je viens de remarquer. Les lasers ne tuent plus les Blue Trailers lourds en un coup. Bombardier. Ah. Allez, rentre. Pas mal. Rien ne semble arrêter. Viens. Sauf lockdown. Qui lui arrête tout. Sur son chemin. T'es qui toi? Ok. Je vous stun tous et j'appuie sur le laser. Je remets le ulti. Pour pas qu'il ne bouge. Hop, vous mourrez tous. Je fais pareil à gauche, j'ulti pour garder le stun actif. Je me heal, enfin je me mets de la mana. Je mets lockdown un peu partout. J'appuie sur ulti pour que le lockdown puisse fonctionner. Je me méfie du bouclier jaune. Oh, j'ai raison. Oh là là. Et merde. Une manipulation qui a échoué. J'ai fait n'importe quoi, mais c'est passé. 1115! What the fuck? Il s'était 1199 à la vote. Dis-moi que ça a tué. Oui. Ça n'a pas tué ça. Ça n'a pas tué cette. Mais quoi? Mais ils ont pris 200 levels en une wave. 200 levels, quoi? Alors oui, je vais mettre. L'Orthos Prime. En viral tranchant. Ça va permettre de les tuer rapidement. Combler à. Sur 60, allez voir, ça va aller, pas du tout. Ah, je suis mort 3 fois, encore 3 raisins. Ouais, vive le Dark Maxé. Hein.
Attends, je t'enlève ton armure parce que tu meurs. Oui, tu meurs parce que t'avais trop d'armure. Ok, d'accord. Eh oui. J'ai bien eu raison d'avoir les 100% de réduction d'armure. À aucun moment je me suis douté que je suis une grosse merde. Non, le cryopode! Il a 3 HP! 3 waves et le cryopode est au plus mal. Et moi aussi, je suis au plus mal. Je suis au plus mal. Je suis en PLS, une PLS de type Australopithèque. Je dois rester près du cryopode, sinon il mourra. La sentinelle est morte. Si je meurs, je meurs. Ouais, je vais rester ici. Voilà. J'attends que les mobs arrivent. Je juste refresh. Toutes les 4 secondes. Re à toi. Lockdown. J'ulti. Ok, ouais, je vais comme ça. Comme ça, c'est bien plus safe et c'est bien plus simple. 99. La wave 99. Faut pas que je relâche la pression. Lockdown. On ulti pour CC. On refresh le shield. On met la mana. T'as eu le mob? Ok, la wave 100 est terminée. La 19, 99 est terminée. La dernière wave. La dernière wave. Allez, on perd pas le nord. On réulti. On refresh le shield. On recherche le bouclier jaune pour éviter qu'il nous tue. Allez, lockdown. Lockdown, c'est pas pété, évidemment. C'est vrai qu'Atlas, c'est pété. Full nerf, mais lockdown, on laisse tel qu'il est. Parce que 60% de la vie max des ennemis en perforation. Ouais, mais ils ont de l'armure. Ouais, mais t'as oublié de jouer avec autour de la composition. Je suis solo, j'arrive à profiter au maximum de lockdown. Elle est mourée. Mais putain, c'est vrai, il y a le. Attends, juste vous dire ça un petit peu. Venez ici. Bougez pas, hein. Et voilà, vous mourrez. Et voilà! Vague 100! 100 vagues. 100 vagues. Je les ai faites. En vrai, je suis deg, j'aurais pu faire plus. J'aurais pu faire plus. En vrai, j'ai sous-estimé la puissance de la zénith. Aujourd'hui, la bulle, la corrosive, ça servait à rien. Aujourd'hui, la bulle de virale tranchant. Maintenant, la vraie question que tout le monde se pose maintenant, est-ce que je me suis ban, je me suis fait ban? Alors là, dans le dojo. Ça va. Ah, je sais ce que je vais faire. Attends, je vais faire la conclusion maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était bien. Vous allez me dire, c'était bien, heureusement que c'était bien. Sinon, je me serais pas fait chier. Siphon d'énergie, jet d'aquaaction, ça m'a pas servi. J'aurais dû avoir plus de portée sur mon shield. Parce que je jouais en hauteur pour avoir une vue, une grande vue sur ce qui se passait sur la map. J'aurais dû mettre de la portée à la place de hard de la coaction. Et à la place de siphon d'énergie, j'aurais dû prendre un truc genre. Je sais pas en fait. Pression corrosive, ça me sert pas en late game. Ça aurait pu me servir pour m'aider un petit peu en fait. Bon, pour m'aider un petit peu. C'est ça parce que je pense pas, il y a aucune aura qui peut m'aider en late game. C'est là que tu te rends compte que les auras. Là tu te rends compte que les auras ont été pensées pour le jeu de team. En solo, à la limite récupération de munitions. À force grandissante, ouais, c'est vrai. Pour la bulle, mais ça aurait servi. Ça fait 5% de puissance en plus. Ah oui, attends. Remarque. 25% de puissance en plus. Ça veut dire que j'aurais pu descendre un point colère aveugle. Avoir plus d'efficacité sur mon pouvoir. Et juste mettre un sort, genre le 1 ou le 2, puis après faire mon shield derrière pour mettre. Ouais, ça aurait pu, ça aurait pu, ça aurait pu. Ça aurait pu. Siphon d'énergie ne m'a pas vraiment aidé parce que j'avais Trinity et j'avais surtout Zeniri qui me permettait d'avoir énormément de mana tout le temps, tout le temps. J'en avais pas besoin en heure limite parce que c'était l'heure limite, mais en late game, j'ai dû spammer la mana. Heureusement que j'avais les consommables en amont. La Zénith, j'aurais dû la jouer en viral tranchant avec. À la place de. Je sais pas, j'ai envie de remplacer viseur Argon par fléau décorrompu. Moi j'avais pas de pont en fait, j'aurais dû formater l'arme. Ah, carrément, bon, ok. Là, clairement, le choix de l'avoir build en corrosif, c'était une erreur. Ça m'a aidé en early mid, encore une fois, mais j'avais l'optique de la jouer support, mais elle aurait pu plus m'aider hein, après, pour juste tuer le corpus au bouclier jaune. Parce que clairement, la seule cible que je devais assassiner, c'était juste le corpus au bouclier jaune. Les anciens, ça allait. Ils réduisaient l'armure, mais. Les dégâts, mais. Lockdown passe outre et s'en bat les couilles. Je pouvais temporiser leur mort aux anciens.
avec mon perma ulti. Donc j'aurais tellement dû jouer viral. Pour mon Bouflaco, que j'ai jamais utilisé de la partie parce que c'est de la grosse merde, sa cadence des tirs et son manque de dégâts ne m'a pas permis de me sauver de situation quand j'avais plus de balles pour mon surnom principal, donc franchement, ça m'a pas aidé du tout. Et l'Orthos, elle était là. Elle était là. J'aurais dû peut-être dû mettre sur ma zénith ressources du vigile, donc la reformater encore. De ressources, ouais, ça demande un formatage. Deux formatages hein, pour mettre. Pour jouer avec Belle Cryogénique, qui est un autre formatage pour jouer ressources du vigile. Et voilà, sinon voilà. Sur ma manière de jouer, à un moment donné, j'ai voulu faire ma strat. Ouais, j'appuie sur Vortex, et ensuite je tue les mobs avec l'Orthos. Non, c'est vraiment lockdown. Voilà, je pense avoir fait le résumé. Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer pour la prochaine fois? Et peut-être améliorer Zenuric, à augmenter le champ d'attirance de 12 mètres, qui était suffisant pour cette survie, mais plus ça aurait été intéressant pour grapp les mobs qui étaient en haut du pont, et vraiment derrière moi. Pour les rassembler en un point, pour soit les tuer avec le rayon de la mort ou alors avec Lockdown, encore une fois. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour.